Celui qui vient, il a pu délivrer les sommes de la fournaise ardente, chauffée cette fois. Il a pu libérer quelqu'un de la force au lion. Les lions ne l'ont pas mangé. Celui qui vient, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi les occultistes de ce pays, ils n'aiment pas les adorateurs, ils cherchent à les tuer, ils n'aiment pas les adorateurs, parce qu'un adorateur, quand il s'élève, son Dieu s'élève, il vient avec le feu dévorant, avec une nuée épaisse. Ah, il pâte. Au lieu de te prêcher d'aller chasser le célibat, je te prêche d'adorer Jésus, la puissance de l'adoration est capable de te libérer de célibat. Dans l'adoration, dans l'adore, le paralytique marche. Il se met debout. C'est avec le foie. Parce qu'il y a une puissance qui libère les chaînes. En exclusivité, tapez www.casarema.fr. Moi, j'adore à Sundo, là, en classe, moi, c'est à Tigana, la 6e primaire. Maman, ça, on dit au Tengs en Haïti, n'est pas la 3e manité. N'a pas bien à papa, et bien sûr, papa. N'a pas des abouets, n'a pas bien la 3e, ou l'obini. Papa, et bien, c'est la 10e, là, n'a rien. N'a rien aussi, c'est un Néval. Papa, c'est la route Angola, et aussi, c'est un Néval. A balou kenga le bikenga na tan sol souté mama bino loko laksa papa mususu kaka papa na lakisa oyo na ka mtorse le makamnyons na bonde la papa na lela na papa nga zaka nga moko mwana mwasi soro se singa teno na se sanga papa sa boya ayo ko sundo nga yo vaja zo nga ngula na yo tika la na kin mama yo abandi yo bunda mdaka pona tan sanga yi na komi na 5e papa bisa uto ya lisusu abisinga ona moni. Au cas de la classe, il y a un cas de la classe. Ah, papa, je suis en train de me faire. Diplôme. Après, on continue à courir. Boya, Kabana, il y a une autre explication. A Vindila, le bio, on a une chance de se faire. 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 On a une chance. Papa na yote, bosa nga na vie na yo, mama bina la sopa kousous. Alu ke lo papa woko benga ka papa nga li souti. Na lela ka na yepa mama na leli, mama bonde nga bite, tiko la, woko tang. Ena kou mina 6e, mko msou na vanda boi, wako benga nga pou na mina yaval, na yena ndonda di olela. Mase la, tiko ole ole la boi po an, sou pa benga ni yo vanda woko tang. Na vanda ka boi, mama sou telefone sone. Papa mou e doba, ndo vivre na kala, na boi na kaya pou mwana. Aiko zungele, era zungele, mwasa ndio explique situation na ngabio, na sabo mpia, na ebi kozana mwana, mwana otanga. Mais ngai nandimi kozwa mwana na charge na otanga setia ozwa diplôme. Papa na ndio otanga sanga iti na yoko sa diplôme. Te jou ba programme pona ke ta résister na ngai, papa na benga mama biso a partir lelo, ko benga ngai te, ko bonso la nuka na téléphone mais boulet te que ten ten azakina yo na yeka pona aider pour moi na 6 classe mais romona 6 classe nga na pe maramne Cécile mama sa bandi ko lela na si mama ko lela te tika ko lela loko le bi a loko lo na suivi plan de on na zakina beje zaki yangwana na ndenge ma sa ko va na ndenge na yo plan ba benga ba kombo ba resite bi makombo na ngi bande ko mona na te na lela ki butu mo bi ma epsi nzambe nga le ben on se la yo. Comme comment tout le monde en a été, non, non, bah, de la classe T, donc tu aurais pu être à 6e T. Donc on dit, mais bah, on dit un peu trop ça là. Ce qui nous a mis du diplôme, t'es en bon terme sous-té. Mais ça, bon, t'es un petit rôle là. Si tu as comme avait 3h, bah, classe soit au bien à la bouteille d'eau, tout le monde a été aux 70. La vanne est dans la cour à quitter. Mais moi, c'est un aïe. Maintenant, il y a comme ça, nous allons. Et si les Wanate, Mba ya Maku te msa dans la porte, je viens en charge à classe dans la nyon d'université dans mon même temps. Alléluia. Je suis comme Obi, Malibote, Ininga, Papa Boy of Tia, ma soumise en bas. Nalela, Yoka, moi, Naleli, Nabinsa, Motikina.
Nous avons le bien dans nos en charge. Au foot, il y a un balle au sol et au cas, moi. Dans le côté retraite, awa. Libote foot, il y a un balle. Libote mon vie, ma baille, il y a un balle pour commencer à mettre un récitif. Nous avons bref, nous avons 70%. Comme on a répimé, car on a bien dit, on a répimé, on a pris. Alléluia. Zambé n'a pas eu sa prise en charge, n'a pas eu. Alléluia. Amen. Moi, j'aime l'adoration. J'aime l'adoration. Il n'y a point d'autre comme lui. Il est le véritable Dieu, le véritable roi. Le chino d'Israël. Quand il dit un mot, la chose arrive. Si tu as Dieu, même si tout le monde est contre toi, il y a la majorité. La majorité, c'est Jésus. Si tu l'as dit, tu as la majorité. Tous ceux qui espèrent et qui croient en Jésus, il a donné sa victoire. Lui qui est égal à Dieu, il s'est humilié pour que toi et moi nous soyons des riches. Est-il un riche? Y a-t-il un riche? Y a-t-il un riche au milieu? Nous allons lire. On va parler pendant un temps. 2 Samuel 22, du premier verset. Amen. 2 Samuel chapitre 22, à partir du premier verset. Amen. Vous y êtes? Ta Bible, élève ta Bible, pomme la Bible en haut. Élève ta Bible, pomme la Bible en haut. Répète après moi, ceci est ma Bible. Oh, ça Bible en haut. Ceci est ma Bible. Oh, ça Bible en haut. C'est la parole du Seigneur. Je suis ce qu'elle me dit que je suis. Je possède ce qu'elle me dit que je possède. Ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, elle me bénit. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 22, verset, à partir du verset 1er. Amen. Je peux lire, vous êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Écoutez, verset 2. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Car le flot de la mort m'avait environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Verset 8. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu devant sortir de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Il a baissé les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds, ou une épaisse nuée où sous ses pieds, il était monté sur un chérubin.
et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres irritantes autour de lui. Il était enveloppé d'un masse d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançait des charbons de feu. L'Éternel tourna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Que l'Éternel bénisse sa parole. Acclamons la parole, prenons place. Prenons place. Salut celui qui est à gauche, à ta droite. Bénis-le avec des paroles. Change de voisin. Amen. Amen. Gérant multiple action de grâce à notre Dieu pour son amour et sa grâce. C'est si nous nous retrouvons ce matin, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est par sa grâce. Amen. Vraiment merci pour cette grâce éternelle. Merci à vous qui êtes venus pour que Dieu vous parle au travers de nous. Que Dieu accomplisse le désir de vos cœurs. Je croyais que Dieu parlait à quelqu'un. Je croyais que mon souhait était une prière pour quelqu'un. Que Dieu accomplisse le désir de ton cœur. Que Dieu accomplisse le désir de ton cœur. Alléluia. Amen. Nous rendons multiple action de grâce pour la présence d'une servante. Amen. L'évangéliste Nathalie. Zulu Nissia peut se tenir debout. On peut s'acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous sommes très bénis de votre présence. Elle est venue du Canada. Elle est aussi réphidimienne. Amen. D'ailleurs, quand elle était au Canada, chaque fois qu'on parlait, elle disait, dis à mes frères, le jour où je viendrai, je donnerai des amens plus que eux. Parce qu'à chaque fois que vous prêchez, ils sont là en amen. Mais moi, j'écris. Elle criait au Canada, elle, aujourd'hui elle est venue pour crier au milieu de nous. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Elle est une grande bénédiction pour nous et pour le corps du Christ. Nous devons la soutenir. Il y a des paroles que Dieu avait prononcées et aujourd'hui Dieu est en train d'accomplir cela. Nous sommes vraiment reconnaissant envers ces dieux qui parlent. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au temps où l'église ou le corps de Christ doit donner la place à l'adoration. Parce que nous sommes en train de parler de la présence de Dieu comme une clé permettant à celui qui est dans sa saison de pouvoir dominer. La clé pour dominer en ta saison, c'est la présence de Dieu. C'est malheureux de voir dans des églises, on ne valorise pas la présence de Dieu. Le peuple honore Dieu de lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. Dieu veut sa place dans l'église. Dieu veut la place de son adoration dans l'église. C'est notre raison d'être. L'adorer. Tu ne peux pas vouloir la bénédiction de Dieu et ne pas vouloir la personne de Dieu. C'est contradictoire. Plusieurs aiment que Dieu leur donne du mariage. Fais-moi ceci. Mais la personne de Dieu, on ne l'aime pas. Il y a des faits qui démontrent qu'on n'aime pas Dieu. Si tu aimes Dieu, tu n'allais pas t'habiller de la sorte. Si tu aimais Dieu, tu n'allais pas faire les choses que tu fais. Si tu aimais Dieu, tu n'allais pas venir à l'église en retard. Si tu aimais Dieu, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont devenus sponsors de musique. Des clubs
mais ils sont jamais sponsors de l'évangile. Mais ils peuvent se tenir debout pour dire, nous avons Dieu. Moi j'aime Dieu de tout cœur. Toi tu aimes Dieu. Même par rapport à la nature. Même par rapport à l'amour. Quelqu'un qui aime, il donne. Le définition de l'amour. La définition de l'amour. Profane. Véhicule quand même une vérité, n'est-ce pas? Alléluia. Hein? Oh, c'est bon? Elle peut passer du temps devant la télé, Facebook, Internet, mais elle refuse de venir au culte. Mais elle prétend aimer Dieu. Et pourtant nous savons, pour celui qui est tombé amoureux, son amour c'est le médicament de sa vie. Quand il le voit, il est dans la joie. Quand il le voit, il est consolé. Mais si Dieu est l'amour de ta vie, pourquoi? La présence de Dieu. Frère, nous devons nous habituer à sa présence. Très bientôt, Jésus revient. Pour prendre l'église préparée. Afin que nous puissions passer notre temps dans sa présence. Si tu ne peux pas aimer sa présence maintenant, comment peux-tu l'aimer dans l'éternité? Et d'ailleurs, je t'informe, pour ceux-là qui n'aiment pas sa présence maintenant, ils n'entreront pas dans sa présence éternelle. Jamais! Jamais, frère. Ceux-là qui aiment sa présence sur la terre, ils hériteront pour le voir éternellement. Ceux-là qui désirent l'adorer sur la terre, ils vont hériter pour l'adorer pour l'éternité. Alléluia. Amen. Je m'emmène au ciel. J'aborde la question à l'église par cette petite connaissance que tu as. Quelle est l'activité principale au ciel? D'accord. Non, la réparation des voitures. Non, les maquillages. Non, aussi Facebook. Viber. Alléluia. Amen. Même une femme qui veut se marier, les parents prennent, les parents respectueux, ils prennent tout leur temps de pouvoir préparer la fille à ce qu'elle va rencontrer comme activité de tous les jours. Tu veux te marier, tu rencontreras des réalités dans le mariage. Voici le principe à suivre pour que tu sois heureuse. Que tu ne fais ou pas ma fille, tu vas commencer à préparer pour ton mari toute ta vie. Prépare-toi maintenant. Améliore maintenant. Parce que tant, quand tu entreras là-bas, ça sera l'activité de toute la vie. Malheureusement, l'église ne prépare pas les gens à l'adoration. Parce que c'est une activité éternelle. On le fait ou pas, une fois enlevé, nous allons passer du temps dans l'adoration. L'adoration doit être l'activité principale de l'église. L'église du temps de la fête doit adorer Jésus. Doit émerger dans l'adoration. L'adoration, frère. Ne blaguons pas avec l'adoration. D'ailleurs, je donne un ordre à tous les protocoles. Une fois on est en train de faire la lecture de la parole, tout le monde debout. Ceux qui sont venus en retard, ils doivent s'arrêter jusqu'à ce qu'on finira la lecture. Et aussi quand nous sommes en train d'adorer, si une fois le modérateur donne le mot d'ordre, nous voulons adorer. Que personne n'entre, que personne ne sort. À l'église de Jésus, il n'y a pas de visionnaire. Le véritable visionnaire, c'est Christ. Tout le monde à genoux. Le véritable visionnaire sur le toit. C'est ça le véritable culte. Et nous avons pour mission de rétablir le véritable culte. C'est Jésus le véritable visionnaire. C'est Jésus le visionnaire qui est son église.
Lui seul est le patron. Lui seul mérite l'honneur. Je l'avais dit, c'est étonnant. Un pasteur s'amène en retard. Il est en erreur par rapport aux Écritures. Il s'amène en retard au culte. Il trouve les gens en train d'adorer, de louer Dieu. On arrête la louange et l'adoration pour accueillir l'homme de Dieu. Mais il est qui? Il a créé qui? A-t-il créé? Il mourra un jour. Il laissera tout. La mort. La mort. C'est un message pour interpeller tout humain. Tu n'es pas Dieu. Si tu étais Dieu, tu allais vaincre la mort. Ils sont morts parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Le véritable Dieu n'est pas mort. Il est passé par la mort pour racheter ce qui était saisi dans le séjour des morts. Il est ressuscité 3 jours après. Il est monté au trône. Il vit éternellement. Il vit éternellement. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi avec audace, il peut dire en mort. Où est ton église? C'est Jésus l'acteur principal. Dans l'église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le diacre, ce n'est pas le visionnaire. C'est Jésus. L'adoration. J'avais dit, il y a 2 messages qu'Abraham nous prêche. De toute sa vie, il avait le temps et partout où il passait, il pressait des choses qui ont caractérisé la vie. Toi et moi, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Si nous sommes fils d'Abraham, notre Père nous a déjà donné le message. Les tentes et les autres. C'est un message pour nous dire tu n'es pas éternel sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Tous les jours, même quand tu manges, même quand tu te maries, dis-toi, je suis pèlerin. Un jour, je quitterai ce monde et prépare-toi à quitter ce monde. Depuis le jour où tu es né, tu dois t'exercer dans cette préparation et quitter le monde. Alléluia. Amen. Deuxième message. Les hôtels parlent de l'adoration. L'adoration doit être notre vie. Tous les jours. Il y a de ceux-là qui adorent Dieu quand ils s'amènent à l'église. On donne une intention de prière. Adorons Dieu. Là, il adore. Non! Ça doit être ta vie. Tu es en train de marcher, tu l'adores. Tu conduis, tu l'adores. Tu dors, tu l'adores. Tu manges, tu l'adores. Tu es en train de te mettre, tu l'adores. Parce que tu es envoyé, tu l'adores. L'adoration incarne des mystères, frère. Quand on adore, il prend une forme. La forme qu'il prend, c'est le lieu. Il devient un lion. Donc chaque fois que tu commences à l'élever, Dieu prend une forme. La forme du lion. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Louange. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à adorer Dieu, il y a des choses qui doivent se faire dans ta vie. Les gens n'adorent pas parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de l'adoration. Les gens prennent du temps à chasser les démons, mais ils prennent peu de temps dans l'adoration. Aujourd'hui, Baromona, on va le chasser. Alléluia. Amen. Le même jour après la prière, les démons sont toujours là. On lui dit, Alléluia. Amen. Les hommes aujourd'hui crient plus que les démons. Les hommes de Dieu crient plus que les démons. Alléluia. Amen. Ça, trop d'écrits
Mais notre maître nous enseigne. Il ne dit pas cet homme. Il s'amène seulement. Le témoignage commence à crier. Y a-t-il entre toi et nous? Y a-t-il entre toi et nous? Il n'a pas encore chassé les démons de man. S'il te plaît, ne nous chasse pas dans les lieux en ligne. Mais chasse-nous dans les poussins. Mais si tu es ton fils, si tu es son fils, où est ce pouvoir de ton père? Les démons avaient peur de Jésus. Pourquoi ils n'ont pas peur de toi? Vous savez pourquoi les démons ont peur de Jésus? Jésus n'a pas hypothéqué son adoration au diable. Il a refusé. Le diable l'a présenté tous les biens du monde. Le pouvoir. Le succès, il a dit, attends-moi, je vais te donner tout ça. Vous m'amenez dans la réponse au Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Je ne te donne pas ce que tu as demandé. Tout celui qui refuse d'hypothéquer son adoration, le diable, il devient puissant. Le diable aura peur de lui, les démons auront peur de lui, frère. Même si tu ne disais pas, amen. C'est les écritures. Tu vas être puissant. Il ne faut jamais hypothéquer ton adoration. Ton adoration doit revenir à Dieu, au créateur du ciel et de la terre. Quand si tu arrives d'adorer le diable, sache que les démons n'auront pas peur de toi. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'adoration, Dieu libère une puissance, frère. Dieu libère une puissance. Dieu nous donne la puissance de vaincre l'ennemi. David est en train de parler. Il dit ceci par rapport à ce que nous venons de lire. Alléluia. Samuel 22. Alléluia. Lisons-nous le verset 1 et 2. Il a dit quoi? Écoutez. Luca. Qui peut me lire le verset 4? Non, quoi, tanga. Capoamine. Verset 4. Verset 4. Oui. 2 Samuel 22. Oui. Luca. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. Amen. Amen. Hein? Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. Ça veut dire, si je ne crie pas, je ne suis pas délivré. Ma délivrance est fonction de mon cri. Mais quel est le cri qui permet la délivrance? Hein? Oh, 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 oh. C'est bon? Amen. Prêchons ensemble. Je m'écris et je suis délivré. Hein? Ça veut dire, si je ne crie pas, je ne suis pas délivré. Mais quel est le cri qui occasionne la délivrance? Je m'écris, loué soit l'Éternel. Quand je crie, loué soit l'Éternel, je suis directement délivré. Ça veut dire la louange et l'adoration permettent de prendre de l'éternel. On cherche la délivrance dans l'adoration. Dans l'adoration. Il s'est acte des apôtres, Paul et Silas. Ils étaient enchaînés. Ils avaient besoin de la délivrance. N'es-tu pas enchaîné? N'es-tu pas enchaîné, mon frère? Observe ta vie. Tu t'épanouis. Tout celui qui ne s'épanouit pas, quelque part, il est limité. Et qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui occasionne les limites dans ta vie? Ce sont les chaînes spirituelles. Alléluia. Amen. Acte chapitre 16, verset 25 à 26.
Ils étaient dans la prison. Tu peux te retrouver dans n'importe quelle prison. Il y a une clé pour que tu sors de cette prison. Tu peux avoir des liens liés à ta famille. Il y a une clé pour que tu sois libéré des liens de ta famille. Tu peux te retrouver dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle prison. Il y a une clé qui peut permettre la délivrance. C'est la louange de l'adoration. Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Ils étaient incapables de se libérer. Mais ils avaient un secret. Ce matin, Dieu est en train de libérer un secret à quelqu'un. Il est en train de donner un secret à Abraham. Il est en train de donner un secret à son ami. Le secret n'est donné qu'aux amis. Si Dieu te parle ainsi parce qu'il te prend pour son ami, Dieu ne te cache pas. Il te donne un secret ce matin. Tu es dans une prison. Tu as duré dans cette prison. Il y a des chaînes qui t'entourent. Il y a des chaînes qui t'entourent. Bien-aimé dans le Seigneur, le secret t'est donné ce matin. Je tombe pour les silences dans la prison. Le secret t'est donné. Que le peut s'améliorer. Ça veut dire pour les silences, ils avaient déjà lu 2 Samuel 22. Oui. Où David est en train de dire, quand je m'écris, loué soit l'Éternel, et il me délivre. Ils se sont retrouvés dans une situation qui nécessitait la délivrance. Ils ont recouru à la parole. Silas a dit à Paul, mon frère, nous avons un secret. Ils nous ont enfermés, mais ils n'ont pas enfermé nos bouches. Ils nous ont condamnés, mais ils n'ont pas condamné nos bouches. Par nos bouches, nous pouvons déclencher quelque chose. Tu peux ôter ces liens. Bien-aimé, ta bouche fonctionne encore. Ta bouche fonctionne encore. Ta bouche fonctionne encore. Par ta bouche, tu peux occasionner la délivrance dans ta vie. Tu peux occasionner la délivrance dans ta famille. C'est possible, frère. Celui qui a le secret, il devient vantard. Il fait des fiers. Parce qu'il a le secret. Celui qui a le secret, il est puissant. Parce qu'il a l'information. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. La Bible déclare, les prisonniers les entendaient louer. Ils les entendaient louer. Il y a un mystère par rapport à l'adoration à la louange. Il y a un mystère par rapport à l'adoration à la louange. Ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. L'écriture de 2 Samuel devait s'accomplir. 2 Samuel 22. David est en train d'énumérer comme un prophète. Pour nous montrer ce qui se passe quand nous l'adorons. Tu négliges l'adoration. Parce que tu n'as pas la connaissance de ce que ça peut faire. David dit ceci. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et il me délivre. Il commence maintenant à détailler comment la délivrance vient. Premièrement, pendant que lui est assiégé, condamné, il se met à louer. La première des choses, l'Éternel se fâche. L'Éternel se fâche. Il est irrité. L'Éternel est irrité. Parce que celui qui l'adore, il est enchaîné. Celui qui le loue, il est condamné. L'Éternel se fâche. Si tu es emprisonné, mon frère, tu commences à le louer, à l'adorer, tu pousses Dieu à se fâcher contre tes adversaires. Même si c'est ta mère qui est sorcière, elle t'a condamné. Quand toi, enfant de Dieu, tu commences à élever ce Dieu-là, ton Dieu se fâche. Ton Dieu est irrité, frère. Celui qui a tombé. Vous savez ce qui est bien avec notre Dieu. Oui, notre Dieu a gagné un bois copalte. Un bois copalte, il crie. Il crie. Il crie. À soi, caté. Ça veut dire que c'est le cas, mais il s'en a limité. Mais notre Dieu, ton Dieu, quand il s'irrite, il ne laisse pas. Il va boucher, il va descendre. Ça, David, ça,
David est en train de dire. Les filets sortent des scénarios. Sous ses pieds. Ma papa. Et de sa bouche sortent de feu. Des oranges. Maître Tumbaka, n'a pas encore eu. Au cas où ça va, aussi les gars. Consigne à l'écouta. Après, ici. Mais quand Dieu s'irrite, mon frère, les filets sortent de ses narines, de sa bouche sortent le feu dévorant, et sous ses pieds, il y a la nuée. Apata, l'upata. Oh, 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 c'est bon? Amen. Et quand il se mène maintenant, dans le soir, à bouger, Kuninga. Pour venir te libérer, David est en train de dire. Dieu monte sur les chérubins. Dieu monte sur les chérubins. Dieu, il se fâche à Christian, encerclé, condamné. Il me lève moi. Ah, je me lève. Quand il se lève, la Bible dit ceci. Au devant de Dieu, c'est un feu dévorant. Au devant de lui, un feu dévorant. Attention, on a spécifié. Pas un feu comme tout autre feu. Un feu. Un feu dévorant. Au devant. Ça veut dire quand tu. Attention frère, même quand nous invitons Dieu, viens. Fais attention. Quand il vient, au devant de lui, il y a le feu de quoi? Le feu de procès. D'avant que lui ne vienne, le feu de procès. Vous savez quoi? Il y a des sols là dans la prière. Très concentré. Il a senti seulement des frissons. Les cieux tremblotaient. Mais la prière. Je n'ai pas encore venu. Ça, ce ne sont que les éclaireurs de sa présence. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu l'empêches de venir encore. Les frissons. Cette petite puissance que tu ressens. Ce ne sont que des éclaireurs qui démontrent que tu viens. Si tu serais incapable de supporter ce que vous les éclaireurs, comment supporteras-tu? Demande à Dieu de te donner la maîtrise. Demande à Dieu de te donner la maîtrise. Quand tu demandes à Dieu, viens. La première des choses, demande à Dieu, donne-moi la maîtrise. Frère, la présence de Dieu, ça vient avec les choses. Il y a un apôtre qui est devenu très puissant. J'avais donné son témoignage. Parce qu'il s'était en prière, ils ont dit à Dieu, fais nous voir ta gloire. Tu as dit dans ta parole, demandez, il vous fera. Moi, je demande ta gloire. Je veux voir ta gloire. Tu as dit, prie. Vous voulez voir ma gloire? Je vais vous dire. Ils avaient les yeux ouverts. Bah, en train de prier, Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole, Yahweh, tu es fidèle, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit oui, je ne suis pas un homme pour mentir. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que je suis fidèle. Non, je viens. Hein? Ils ont vu le... les nuages en train de bouger. Bata la bien, ma pâte comme au tambo. Elle m'a dit, ça me rappelle, monsieur, au fond, elle m'a dit, ça rappelle bien. Moi, comme monsieur, fou, pas. Thomas, Tala, ma pâte, Zoya. Elle est Thomas qui demande, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi, on a Bendan. Alléluia. Amen. Ils ont fui la présence. Bah, qui m'y va, les ils ont fui la présence. La présence venait. Et pourtant, c'était une manifestation pour montrer qu'il est derrière. L'écriture le dit. Sous ses pieds, il y a une nuée. La nuée. La nuée. Je suis en train de parler de sa présence. Attention même pour à tous ceux-là qui prennent des photos. C'est là que Dieu est ainsi. La nuée réelle, frère. Quand il vient, il y a cette nuée qui la combat. Il y a le feu qui sort de sa bouche. Il y a le fumet. Quand tu l'adores,
si occasionne ces choses, je me pose des questions. Quelle chaîne pouvait résister à ces feux dévorants qui sortent de sa bouche? Quelle chaîne? Les chaînes de qui? Celui qui vient, il a pu délivrer les hommes de la fournaise ardente, chauffée cette fois. Il a pu libérer quelqu'un de la force au lion. Les lions ne l'ont pas mangé. Celui qui vient, c'est le créateur du ciel et de la terre. Quand il vient, avec cette puissance, quelle chaîne, quelle chaîne, quelle que soit ses sources, peuvent résister. Pendant que Paul s'était en train d'adorer, spirituellement, le mystère de 2 Samuel 22 était en train de s'accomplir. Ils occasionnaient Dieu à venir là où ils étaient. Quand il est venu, la Bible déclare ceci: tout à coup, les chaînes tombèrent. Non seulement de Paul et Silas, mais tous les prisonniers. Même ceux qui n'adoraient pas. Parce que deux personnes adoraient. Quand il est descendu, il a visité toute la prison. Ton adoration peut occasionner des choses dans ta famille. Ton adoration peut occasionner des choses dans ton quartier. Une vraie adoration peut occasionner des choses dans ce pays. C'est pourquoi les occultistes de ce pays, ils n'aiment pas les adorateurs. Ils cherchent à les tuer. Ils n'aiment pas les adorateurs. Parce qu'un adorateur, quand il s'élève, son Dieu s'élève, il vient avec le feu dévorant, avec une lumière épaisse. Ah, il pâte. Ouais, mon ce pays peut être libéré si y a les vrais adorateurs. Ton quartier peut être libéré si tu es un vrai adorateur. Ton église peut être libérée si tu es un vrai adorateur. Amen. Quelles que soient les chaînes en flambeaux, Jésus est capable de briser les chaînes. Dans sa bouche sortent des feux devant. Des feux devant. Ça déforme la maladie. Ça déforme de la stérilité. Ça déforme le célibat. Ça déforme même la mort. David a spécifié, j'étais dans les chaînes de la mort. Lisez, j'étais enchaîné. La mort me poursuivait. Et Dieu m'a libéré des chaînes de la mort. Quand je me suis crié de mon soir, il n'y a aucune puissance qui peut résister à la puissance de la donation. C'est pourquoi tu ne dis pas amen. J'ai la bonne raison, elle crie amen plus que toi. La vie est venue, tu ne cries pas même autant. Il y a une puissance libérée dans l'adoration. Aucune puissance ne peut résister. Les lois de ta famille tombent devant cette puissance de l'adoration. Les lois de ta famille tombent devant cette puissance de l'adoration. Quand tu l'élèves, quand tu l'adores, les masses n'ont pas de puissance. La stérilité n'a pas de puissance. Le célibat n'a pas de puissance. Au lieu de te prêcher d'aller chasser le célibat, je te prêche d'adorer Jésus, la puissance de l'adoration est capable de te libérer de célibat. Prenons du temps dans l'adoration. Aujourd'hui, quand un pasteur est à genoux en train d'adorer, les autres sont en train de lire. Mais les autres principes à Botomba, Botika Nana Mikitisa, Boya Tombo Langai. Qui suis-je pour me tenir devant ce Dieu? Qui suis-je? Le titre que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. S'il touche le cœur pour que les gens ne viennent pas tuer pasteur par rapport à nous. Les pasteurs par rapport aux brebis. Et pourtant, ce ne sont pas nos brebis, ce sont les brebis de Jésus.
contre bato ya yambo bakoka kobanda kolala kana mabele bazolela miyoyo bimi na adoration. Ce sont les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, parce qu'ils reconnaissent s'ils sont ceux qui sont, c'est à cause de Jésus. Ils partagent la gloire avec Jésus. Le bon berger est seul, il n'y a qu'un seul bon berger, Jésus-Christ de Nazareth. On va tenir pas ta malade. Yes. Il y a adoration. Écoutez, frère. Si ton âme et ton esprit n'adorent pas, encore aussi l'adoration. Il doit y avoir complicité entre ton âme et ton esprit et ton corps. Plusieurs adorent avec leur corps, leur âme et leur esprit. C'est pourquoi il n'y a rien. Alléluia. Bien-aimé, il y a une puissance terrible au milieu de nous. Celui qui peut imposer son âme, son esprit à l'adoration, son corps s'ensuit sans problème. Alléluia. Amen. Maman, tu veux que Dieu donne solution à ton problème? Change de méthode. Dis à ton voisin, change de méthode. Dis à ton voisin, change de méthode. Si on va changer de méthode. À l'adoration avec cette connaissance que tu reçois, c'est Jésus te dans l'adoration. Quand on adore, le paralytique marche. Il doit se mettre debout. Et avec le foie, parce qu'il y a une puissance qui libère des chaînes. Et les serviteurs les plus puissants sont des serviteurs qui passent du temps dans l'adoration. Quand j'étais à genoux en train de l'adorer avant la prédication, j'ai senti une puissance entrée en moi. Pourquoi il n'a pas libéré pendant que j'ai prié, pendant que j'ai préparé le kitchen? L'adoration. L'adoration, mon frère. Le diable créera des choses autour de toi. Il va oublier l'adoration. Pharaon était mécontent. Il ne voulait pas libérer le peuple parce que Moïse avait donné comme raison. Je viens le faire sortir pour qu'on aille l'adorer. Il a dit créant des situations compliquées pour le faire oublier cette idée d'aller adorer. Et quand la puissance était démontée, il est arrivé à un niveau de dire allez l'adorer, mais laissez vos blesses. Non, on adore Dieu avec le bien. Nos biens ne resteront jamais. Écoutez-moi, quand tu es capable d'adorer Dieu avec ton argent, tu libères ton argent de l'homme éternel. Quand tu peux adorer Dieu avec le matériel, tu peux adorer Nzambe, aux une voiture, l'obitaine, mais quoi adorer Nzambe, mais c'est une voiture et une adoration. Tu libères tes biens matériels du monde éternel. T'as pas bien compris. Est-ce que tu as compris? Frère, l'adoration, c'est la clé. L'adoration, c'est la clé. Jésus est en train de pleurer. Il va revenir bientôt. Il est à la porte, je vous dis. Il y a des visions que Jésus donne. Pour montrer qu'il revient. Il rendra qui? À cause de qui est préparé? Qui a cette vie d'adoration? Qui? Nani? Qui? Nani? Si sur la terre, tu ne peux pas tenir une heure en train de l'adorer, tu passes ton temps dans l'éternité. Tu seras. Tu seras. Nous le disons toujours. Si une personne n'est incapable de payer sa dîme de 10 dollars, la dîme de 1000 dollars ne le paiera jamais. Il y a 100 000 à son capoté. Si quelqu'un peut payer la dîme de 500 francs, elle pourra payer la dîme de 5 000 dollars. Il y a 5 000, il y a 50 000, il y a 5 millions. Celui qui est fidèle dans des petites choses, il est aussi dans des grandes choses. Si tu ne peux pas passer
passer une heure en train d'adorer Dieu, il ne saura jamais passer l'éternité en train de l'adorer. Jésus pleure sur l'église. Jésus est en train de pleurer. Je viens parler de sa part. Il veut que l'église, le corps du Christ, prenne conscience de l'adoration. C'est la vie qui nous attend. Il est venu pour nous prendre. Il est à la porte. Très bientôt, il va nous prendre. Les signes qui démontrent qu'il est revenu. S'accomplissent. Ils sont en train de préparer 3000 levites pour aller récupérer le coffret d'alliance qui est en Éthiopie. Or, l'écriture dit quand vous verrez l'impie entrer dans les lieux très saints, c'est fini. C'est fini. L'homme est à la porte, frère. Le bout est à la porte. Mon père avait écouté. Vierge sage, yes. Où es-tu? Où es-tu? Plusieurs vont rester. Bagotika. Ne vous étonnez pas. Les pasteurs vont rester. Les apôtres vont rester. Ceux-là qui sont préparés, ils seront en avant. Si avec le Saint-Esprit, tu es incapable de jeûner pendant 3 jours, comment sans le Saint-Esprit, comment sauras-tu résister à cette pression et torture du diable pour te faire, pour te donner le cachet? Si au temps où nous avons les... Tu es capable de supporter les tribulations de 2 mois, 3 mois. Il y a des gens qui ont même abandonné l'église. Combien à cause de la persécution, par le biais des serviteurs insultés et des vrais qui ont été corrompus, vous avez pu quitter l'église. Combien vont résister aux tortures du diable pour le détournement du cachet 666? C'est pendant que nous avons l'esprit, nous sommes incapables de résister 3 jours dans la prière à sec. On jeûne pendant 3 jours. Deuxième jour, n'a pas coupé. Il y a une fille qui a gêné. Donc, moi, c'est mon 3 jours à 7. Elle me dit, papa, 10 heures, on a regardé. Moi, nous avons mis ma banda. Papa, 10 heures, on a bêta J. 13 heures, on a fait religion. Si, avec le Saint-Esprit, tu peux être incapable. Mais pendant la grande tribulation, on te dira, tu aimes Jésus? Viens avec un tube en hôpital. Tu arrives comme ça, le médecin te dit, oh, il est méchant. Infirmier, préparez tout, moi je vais arranger ça. Merci de tout. Seigneur, je vais mourir. L'hémorragie. Après, il te pose la question. Tu as le cachet? Caché. Mais tu n'as pas le cachet. Nous sommes incapables de te toucher. On n'a pas le cachet. Donc, elle va passer au WAP. On te laisse. Frère! On va t'approvisionner en combien des années? On sera la provision pour une bête qui provient là. Et au collier aussi là. Le jour où tu iras chercher, ils te diront pour te vendre. Tu vas voter tout là-haut. Qui sera capable de tenir? Qui frère? Qui payera de ta vie pour hériter? Qui peut payer de sa vie? Le mari est mort. Nos femmes pleurer, on va m'enterrer avec lui, Le jour de l'enterrement est la fête des dégâts. Pour finir, un papa qui était sage, il a dit, bon, laissez-la. Ok, entre. On va t'enterrer aujourd'hui. Entre. Lui-même, il a tenu la femme. Alléluia. Celle qui disait, je vais mourir avec lui, on va m'enterrer avec lui. Elle a changé d'avis. Ils en ont façon à coller. Mais c'est pas comme un coup de bande. Mais pendant que tu pleurais, personne ne peut mourir à ta tête. Personne ici quand on monte. Tout le monde est au coca-té. Un papa qui a déjà mis au monde 24 enfants. Les bandits sont en train. Ils ont dit à papa, choisis. Qui tu veux que nous puissions tuer? Non, nous l'avons. Alléluia. Papa, prenez-moi la soupe. A bien de Yaya Nabis. Donc le bandit s'est étonné. Nandi Yaya, Biyaya.
Alléluia. Personne ne peut mourir pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. C'est lui qui mérite notre adoration. Quand nous l'adorons, il y a une puissance de libération qui est là. David a dit, quand je m'éteins, loué soit l'Éternel. C'est lui monte sur le chérubin. Il vient avec un vol rapide vers Dieu. Il ne tarde pas. Pour ceux-là qui prennent du temps dans l'adoration, même si ça dure, il viendra rapidement. Montant sur le chérubin. Chargé mon père. Tiens ça là-bas. Taxi. Pour ton problème, il est prêt à venir avec un vol rapide, frère. Un vol rapide. Montant sur le chérubin. Chérubin, destination Yolo, acte 63, Campi. Il arrive. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Yahweh, apporte de la lumière.